C'est une star, hein, c'est une personnalité publique. Hein. Ouais, ouais. Allez, bonjour à tous et à toutes ceux qui sont présents sur le live. Enchanté d'être avec vous aujourd'hui et ce toute la journée pour ce PMU Box to Box Agency de Bandol. Alors en termes de programmation, nous allons assister à un tour de finale qui est un peu de décalage entre Cyril Hanouna et Johan Bergeron. Face à la paire Louis Chauvet, Manuel Lorenzo, vous voyez au fond. On se retrouve dans ce cadre magnifique de Bandol, avec, comme vous pouvez l'entendre, les criquets. Alors, pas mal de vent, hein, justement, play des conditions extérieures qui sont pas forcément simples. N'hésitez pas, justement, vous qui êtes sur le live, hein, c'est le début de ce live. Je vais là savoir si vous m'entendez correctement, si mon son n'est pas trop fort. Le son, à l'inverse, des cliquets et du vent est un petit peu trop présent. Ah, dans tous les cas, les rafales, on va l'entendre. Ah, vous le voyez comment ça souffle. Allez, pour un petit retour un peu chanceux. Alors, les fautes, je pense. Alors, je vous mettrai, hein, bien entendu, hein, au changement de côté
bien sorti, ça a bien tapé. Je vous mettrai justement les équipes présentes au tournoi, sur ce tournoi que vous allez pouvoir suivre tout ce week-end sur la chaîne de Padel Mag. Donc je vous invite déjà à vous abonner si ce n'est pas le cas, si vous voulez suivre tout le tournoi. Alors je vais vous mettre rapidement les paires présentes et vous aurez au fil de la journée le tableau. Donc la tête de série numéro 1 de 2000, il n'y a rien d'autre que Maxime Joumi, Joris Sekémon, Rechvat, Loïc Lepense, Alexandre Poupin pour la tête de série numéro 2. Voilà, là vous allez pouvoir voir donc les autres en match opposant la tête de série numéro 10, Bergeron Hanouna. Bergeron, troisième joueur français, contre la tête de série numéro 2, Manuel Lorenzo et Louis. Allez, c'est bien joué, ça a bien collé là de la part du Cyril pour commencer un beau 4. Alors il y a, comme je vous l'ai dit, pour ceux qui nous rejoignent, le chat YouTube ou le chat Twitch est accessible. Donc je peux vous répondre à la moindre question. Hein. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Et après, on va se plonger de plus en plus dans ce match. Allez, la conservation, là, ils prennent très bien le filet. Allez, ça va taper droit devant, au centre. Bien joué, bien tapé. Premier petit avertissement sur ce service de Johan, 15-30. Bien l'Aubert, les lobes qui sont bien collés derrière. Elle volait un peu flottante. Pareil, ça fait bien joué. Bien joué d'Albrie. Alors, comme vous voyez, il y a beaucoup de monde pour le tour. Donc là, nous sommes sur la piste centrale. Et salut, Zeljden. Allez, hein, partout. Allez, donc Johan Bergeron, je pense qu'il va être assez agressif hein, sur les lobes de Cyril. Il va venir au filet justement, voilà, pour essayer de contrer, pousser à la faute l'adversaire. Très très beau lob de la part de Johan, de la hauteur. Il va laisser passer pour une petite parada. Et attention, hein, deuxième faute. Hein. Deuxième faute dans son jeu, 0-30. Alors, au prochain changement de côté, hein, bien entendu, je vais déjà vous faire un petit peu kiffer là pour tous ceux qui sont sous la grisaille du nord de la France. Avec les infrastructures. Petite vidéo drone des infrastructures magnifiques pour ce P1000 de Bandol, le P1000 Box to Box Agency. Vous allez avoir la chance du coup de suivre les matchs hein, au long de la journée. Abel Marada, là, de la part de Yann, là, ça paraît sympa comme ça. On arrive très très vite. Bien tapé. Donc voilà, malgré les conditions venteuses, hein, non, la chaleur fait que les vides vont être très très puissants, si je peux me permettre. Ouais, ça va remonter, pas de chance. Un petit peu de risque. Ça fait break. Et ça fait break. 2-1 pour la paire Bergeron. Hanouna. Ah,
Donc voilà, comme vous avez pu le voir, on se trouve dans un cadre magnifique hein, pour ce week-end, pour suivre ce P1000 box-to-box de Bandol. Donc les pistes centrales là qui sont justement, comme vous avez pu le voir, quasiment accolées à la falaise et à la mer. Et n'hésitez pas, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, de mettre un petit pouce. Et si vous êtes abonné, n'hésitez pas à le faire. Ça soutient énormément la chaîne. Encore une fois, on vous le répète, hein, mais ça nous permet un maximum de vous offrir de plus en plus de contenu. Et d'essayer de faire développer le padel à notre échelle. Faire en sorte que ce sport magnifique attire de plus en plus de monde. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire où vous jouez, si vous jouez au padel, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à venir justement à Bandol. Vous allez avoir du très beau padel à partir de cet après-midi, justement, les quarts de finale. Donc la particularité, hein, c'est un tournoi 1000 P1000 qui est également chez les femmes. Donc vous allez voir aussi du padel féminin. Avec justement des très très bonnes paires aussi. Je pourrais vous mettre notamment les paires présentes aussi. Allez, attention la barada. Bien contré, c'est un petit peu court ça. Allez, ça prend la grille. Bien joué. Belle petite balle poussée là sur Johan qui était avancé. Ouais, non, dommage. Avec le vent, ça s'envole un petit peu. Allez, 30A. Ouais, ça, voilà. Bien servi. Ça colle au filet derrière. Hein, pour pouvoir faire ce petit par 4 avec le poignet. Johan Bergeron, hein, comme je vous l'ai dit, joue beaucoup sur l'international. Hein, a été champion de France. Entreprise. Vraiment l'un des meilleurs joueurs français. Bien entendu, on n'oublie pas Benjamin Tison, hein, mais ils ont été associés pendant de nombreuses années. Et ils se sont séparés tout simplement par le choix de Johan Bergeron d'arrêter tout simplement l'international. Allez, ça c'est bien tapé, droit devant. Allez, pas beaucoup de rythme hein, pour le moment dans ce début de partie. Allez, ça c'est bien contré. Ouais, bien joué. Très beau contre là de la part de Cyril Horvert. Qui va jouer la grille. Allez, on est à 30A. Allez, un beau lob. Ouais, très très belle feinte. Ça, c'est magnifique là. Allez, ils étaient partis sur la grille hein, avec cette petite feinte de smash de Johan Bergeron qui part sur la grille et qui finalement au dernier moment vient la glisser entre les deux joueurs. Allez, ça fait double break. Hein. 4-1, ça défile vite. Alors, et je vais vous laisser justement pendant ce changement de côté. Nous n'avons pas encore le tableau, mais je peux vous laisser justement les paires présentes qui sont dans ce P1000 de Bandol box to box. Thank you.
Allez, de retour avec les cigales toujours présentes. Et ça, je pense que ça va être tout le week-end. Hein. C'est synonyme de beau temps. Allez, la sortie pas autorisée. Malheureusement, parce que vous avez vu, hein, il était sorti en toute facilité, Johan Bergeron, pour contrer tout ce match. Mais les sorties ne sont pas autorisées pour les 16e de finale. Et oui, il s'est vengé justement parce qu'il a lui à son tour fait un par 3. Donc le vent qui souffle en rafale, hein, pas forcément le plus simple. C'est pas un vent constant, on peut pas forcément entre guillemets s'appuyer dessus. C'est vraiment certaines bourrasques de vent qui arrivent par moment. Et d'ailleurs on s'en excuse du coup si on entend trop ce vent sur le live. Allez, merci pour ceux qui ont liké ce petit live. On est quasiment 100. Ça nous aide énormément pour le référencement, pardon. Et encore une fois, ça va nous aider aussi par la suite. Donc, pour rappel, hein, pour ceux qui nous rejoignent, 16e de finale, hein, et non quart de finale. 16e de finale opposant Cyril Hanouna, Johan Bergeron et Louis Jovet, Manuel Lorenzo. Cependant, tout de suite après, nous avons un quart de finale avec Loïc Lepense. Et je ne me trompe, Loïc Lepense qui est associé à Alexandre Taupin vs Hugounenk Delvienne. Le tableau qui joue un petit peu en décalé justement. Allez, c'est bien contré. Ouais, bien joué. Bien joué, hein. Johan qui avait voulu couper au centre. Allez, Lorenzo Jovet qui sont deux jeunes joueurs du top 100. Du top 300, pardon. Et on le voit, hein, justement, c'est très très propre techniquement. Au-dessus de la tête, c'est vraiment solide. Allez, une grosse faute et ça fait 5-2 à 40-0. Ça se tentait. 5-2, service à suivre pour Cyril Hanouna pour pouvoir s'obtenir ce premier set. Et oui, effectivement, un quart après un 16e, c'est rare. Il y a vraiment un décalage entre les deux parties de tableau pour pouvoir suivre des quarts tout au long de la journée avec des femmes à chaque fois en intermittence. Donc là, vous allez avoir normalement ensuite un quart homme, suivi d'un quart femme, suivi d'un nouveau quart homme. Et pour finir, normalement, un nouveau quart femme. Voilà, normalement, la programmation de cette journée. Allez, c'est touché. C'est bien remonté pourtant. Et là, le lob va sortir. Il va s'envoler un petit peu. 4-0 à 3 points du set.
Ouais, dommage. Hein. Un petit peu coquin là, Cyril Hanouna qui a tenté une petite. Ah, il peut se permettre deux breaks d'avance. Hein. Pour le moment, ils ont la maîtrise de ce match. Ouais, ça, c'est une belle barada pour maintenir le filet. Les drovers un petit peu flottante, ouais. Elle était un petit peu flottante celle-là. Ils en ont tout de suite profité. C'est sûr que dans les schémas de jeu voler, je pense que Johan Bergeron ne va pas toucher beaucoup de balles. Ça va vraiment justement être orienté un maximum sur Cyril. Voilà, la volée un peu plus flottante, un peu moins tranchante. Et par contre, au-dessus de la tête, il va pouvoir venir. Allez, c'est dommage, ils n'ont pas récupéré le filet là. C'est dommage de la part de Louis Jauvet et Emmanuel Lorenzo. Ils avaient réussi à faire reculer Johan Bergeron, mais ils n'ont pas pris le filet. On va jouer un demi-volet un peu difficile. Allez, c'est bien rentré. Allez, non, celle-là, ça s'échappe. Et attention, balle de débreak, 30-40. Ça, c'est une belle volée de revers. Et là, ça va déclencher un smash. C'était contré. Dommage, ouais. Il s'est mis sur la trajectoire de la balle. Et ça nous fait 7. C'était bien entendu un Punto de Oro. Hein. Excusez-moi, je vérifiais. Et justement, il y avait 41 Punto de Oro pour ce 16e de finale. 1-7-0, 6-2. Allez, c'est reparti pour le deuxième set. Père Jauvet, Lorenzo au service. Ça commence par un service gagnant. Allez, ça c'est bien lobé, il reprend le filet. Ok, ça maintient au fond. Allez, c'est la barada un petit peu forcée, 30-0. Donc beaucoup de monde, hein, encore une fois, sur ce tournoi. Vous voyez les tribunes sur la droite. L'avantage des tribunes, c'est qu'elles sont à l'ombre. Hein, et elles sont déjà pleines. C'était l'endroit à aller chercher, justement, ce matin. Et ça, c'est très très bien joué, là, ce petit smash gris, posé et poussé.
Et là, ça va taper droit devant et c'est bien joué. Allez, vous avez vu à quelle longueur ça revient. Ça fait jeu, très bon jeu là pour commencer. Un jeu assez agressif, hein. C'est vrai qu'ils ont été plutôt passifs dans ce début de rencontre. Des joueurs qui cherchent peut-être aussi un petit peu de rythme. Hein. Jamais évident, hein, forcément, de même si tactiquement on sait quoi faire. Jamais évident à chaque fois, hein, de jouer droit devant, notamment là pour le joueur de gauche qui va devoir user des lobes parallèles, pouvoir essayer de mettre en difficulté et axer sur Cyril. Et là on voit, hein, justement, il a tenté le lob parallèle et c'était bien défendu. Magnifique, magnifique, il l'a touché. Un petit peu hasardeux, hein, mais c'était contré. Ah, là, le par 4, ça suffit. Ah, elle est belle celle-là, là, droit devant. Voilà ce que je vous disais encore une fois. C'était très très bien joué là de la part de Cyril qui fait un très très bon smash poussé droit devant. Et comme je vous le disais, hein, justement là, on voit le lob parallèle du joueur de gauche n'est pas assez droit devant. Ce qui laisse à Johan l'opportunité d'y aller et surtout de smasher. Allez, encore une fois, je vous remercie, hein, pour tous ceux qui sont présents parmi nous. Un rappel, hein, ceci n'est pas un quart de finale, mais un 16e de finale. Un quart de finale aura lieu juste derrière, dans une autre partie de tableau. Allez, c'est dommage, il avait bien pris le centre là, justement. Il était bienvenu contrer au centre, il était sur la trajectoire. Mais cette balle qui reste dans la raquette, 40-30. Elle est haute, celle-ci. 40A, point décisif. Choix au relanceur. Et c'est le relanceur de droite qui va prendre ce retour. Voilà la balle qui vraiment s'envole avec le vent là, le lob qui était parti assez devant. Ouais, et ça parle tactique justement, ça essaye de mettre en place certains schémas de jeu. Ça c'est très très bien volé là, bien écrasé, 30-15. Et il faut qu'ils arrivent justement à faire la course en tête dans ce set, essayer de faire jouer un maximum. Ils auront potentiellement des opportunités. Encore faut-il justement rester devant. Allez, c'est bien lobé ça. Et là, c'était au centre et ça va jouer. Oh, dommage. Dommage, dommage. Ah, le couteau des euros, justement, qui va laisser sûrement des opportunités dans ce set. Hein. Il y en avait déjà eu deux. Les deux ont été gagnés par... Ouais, c'était bien contré. Et celle-là, par contre, elle sort. Et voilà, 40A du coup, couteau des euros.
pense que Johan Bergeron va retourner. Hein. Et donc on a un vent latéral un petit peu hein, qui pousse la balle vers la gauche du terrain. Là, vous le voyez, là, la balle qui va totalement aller vers la gauche alors qu'elle était partie plus centrale. Elle est volée un petit peu flottante, ça manque un peu de longueur. Bon réflexe là. Ouais, ça c'était limite. Ouais, un beau lob pour reprendre le filet. Ouais, très 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 beau point là. On voit la patience, belle barada là de la part de Cyril, ça joue. Ça va être tapé, c'est bien joué. Beau point ça. Et ça fait jeu 2-1. Pas de break. Je vous remets rapidement justement un petit point justement de l'endroit où on se trouve. Voilà, comme vous pouvez le voir hein, sur les images, pour ceux qui ne connaissent pas Bandol, nous sommes situés justement sur la Méditerranée, vraiment le long des côtes, le long de la plage, donc c'est pour ça, beaucoup de vent, un décor magnifique pour ce Pénil box-to-box à Jancy. Allez, c'est reparti, hein. Cyril Hanouna au service. 2-1 pour Louis Jovet, Manuel Lorenzo. Allez, c'est bien tapé là, ça sort sans souci. Vraiment là, vous allez le voir, hein, malgré le vent. Les snatchers vraiment sont bien avantagés, hein. Les balles remontent. Sont très très vifs, très rapides, le terrain est très rapide et ça permet aux smatchers de faire de nombreux par 3. Et quand les sorties seront autorisées, ça va nous garantir, je pense, un très beau spectacle. Alors, pour répondre à ta question, Miguel Poyer, bon, je vais aller essayer de vous récupérer le tableau. Très très bien joué là, qu'est-ce que ça montre haut hein. Ça fait 40-0 un jeu pour le moment, sans encombre. Donc la demande est faite, hein. J'attends toujours Pierre le tableau pour pouvoir vous l'intégrer. Je fais ça au plus vite. Donc c'est un P1000 hommes et femmes, hein, pour ceux qui nous rejoignent. Vous allez pouvoir voir aussi les meilleures joueuses françaises en action. N'hésitez pas, hein, pour ceux qui veulent avoir des renseignements aussi sur ce tournoi, d'aller faire un tour sur Padelmag où notre chef Franck Binisti vous a concocté des petits articles. Très très bien enchaîné ça, ce service.
Ça reste en jeu, celle-là. Ah, et celle-là, c'était bien suivi. 40-0. Ah, on est sur un nouveau jeu sans encombre, justement. 40-0. Encore une fois, on le voit, hein, dès que le vent arrête un petit peu le lob, ça offre un match plutôt facile. Très très bon smasher en face. La paire Jové-Lorenzo. Allez, on est désormais 150 à suivre ce live. N'hésitez pas, elle est très très bien tapée encore une fois. Et 3-2, n'hésitez pas pour ceux qui sont là de mettre un petit like sur la vidéo. Ça vous prend 30 secondes, mais nous ça nous soutient énormément. Et déjà je vais pouvoir vous mettre les équipes présentes dans un premier temps pour cette rencontre. Voilà les équipes présentes, les têtes de série chez les hommes dans un premier temps. Et voilà le tableau chez les dames. Donc de très très bonnes paires aussi. Hein. Fiona Ligi, Tiffany, Fezoufan, Marie-Amélie Dardenne. Trois membres du top 10 français. On ne nous dit pas aussi Louise Bahurel, la toute jeune, 7 ans seulement, ou 18 maintenant, et déjà 13e joueuse. Et je vous remets rapidement. Alors j'ai loupé spectacle, parce qu'il s'est passé. Allez, donc c'est reparti justement. 3-2 pour la paire Jové-Lorenzo. Pas de break. Johan Bergeron au service. Elle est belle celle-là, magnifique là, la petite barada de Cyril, court croisé dans la grille. C'est très très osé, mais très très belle réalisation. Encore une fois une belle barada au centre, Johan Bergeron qui va lober et c'est contré et c'est très très bien ce matché. Comme je vous l'ai dit, pas de sortie autorisée pour le moment. Et on voit la foule de plus en plus nombreuse hein, sur le bord du terrain. Si la caméra bouge, j'en suis navré. Mais on le voit hein, vraiment de plus en plus de monde pour venir voir ces belles affiches. Je vous rappelle Johan Bergeron quand même, qui a été très bien joué. Qui a été plusieurs fois champion de France. Numéro 1 français pendant de nombreuses années. Il a contribué à la montée du padel en France. Un des premiers justement à s'être expatrié à l'étranger pour pouvoir en Espagne, pour pouvoir travailler son jeu, son padel. Et longtemps partenaire de Benjamin Tison, notre numéro 1 français maintenant. Qui fait des très très beaux résultats. Allez, attention, 40 à Punto de Oro.
Allez, donc un punto de oro, point décisif, hein, pour ceux qui ne connaissent pas la règle. Choix au relanceur. C'est les relanceurs qui choisissent le côté qu'ils veulent. Mais là, par contre, ça n'a pas été le bon choix parce que du coup, c'est un retour faux. Et donc, c'était du point décisif et ça fait jeu 3 partout. Attention, on commence à rentrer dans le money time. Allez, au service, la paire. Ouais, c'est très bien ce matché, hein. Encore une fois, là, les matchs qui sortent en toute tranquillité. Vraiment des très bons joueurs en face, hein. Allez, là, la petite barada centrale. Et ça va être tapé. Encore une fois, ça revient. Sans encombre. 30-0. Allez, dommage celle-là. La petite grille qui ne passe pas. Allez, attention, bien joué ça, bien lobé sur le contre. Encore une fois, bien contré, ils ont quand même récupéré le filet. Et très très belle volée là, au centre. Attention, 3-3, 30 à le fameux 7e jeu. Allez, service sauté, ça va faire un lob et qui va taper tout droit, mais il va être contré. Oui, oui, bien joué. Bien joué de la part de Johan, qui cette fois-ci compte. Ça leur permet d'obtenir 2 balles de break. Elle est bien lobée. Il faut se parler, attention de ne pas se gêner. La barada centrale, elle est belle. Elle est magnifique là. La barada centrale qui s'écrase. Allez, point décisif. Bien retourné là de la part de Johan, tout de suite qui reprennent le filet. Encore un bon lob. Une parade un peu flottante. Allez, c'est bien contré là de la part de Cyril en fond de cours. Ouais, très bien joué là de la part du joueur de gauche de Louis Jauvet qui vient intercepter cette balle au centre. Et qui sauve 2 balles de break, 4-3. Allez, ce match n'est pas fini. Hein. Et en cas de 3ème set, c'est un super tie break. Donc attention, là, tous les points vont commencer à être chers. Allez, j'en profite, on est quand même encore. On est 180 là déjà sur le live. Je vous remets le petit tableau avec les équipes femmes que j'ai passé rapidement. Et comment ne pas rendre un petit hommage à Marina, effectivement Jonathan, qui aurait forcément et sûrement été de la partie. Mes condoléances à toute la famille et ses amis proches. Faire une très grande joueuse de Padel et tout Padel Magazine se joint à tout le monde dans cette difficile épreuve. Mais voilà, quoi de plus beau pour lui rendre hommage que de faire un très beau tournoi, femme. Et c'est pour ça que les femmes vont être aussi à l'honneur, hein. Il y a de très très beaux matchs en perspective. Mélanie Ross, Louise Bagurel, Fiona Digi, Marie-Amélie Dardenne, Tiffany Fezoufane. Voilà, rien que ça, hein. C'est que des joueuses du top 15 français. Et on est reparti, nous, du coup, pour suivre cette fin de set. Allez, désolé pour le début du point. Allez, attention, donc ça fait 0-15. Hein. 0-15 au service Cyril Hanouna pour rester dans ce set.
Ouais, non, le lob qui sort. Kinza. J'espère que vous avez pas de soucis de réception, pas de problème de son. N'hésitez pas à me le dire encore une fois. J'ai accès. Ouais, c'est bien contré, encore une fois. C'est bien ce qu'il fait hein, quand il est au fond comme ça. Qui contre. Parce que effectivement les balles sortent. Hein, donc faut pas les laisser passer. Johan Bergeron ne peut pas tous les avoir en contre. Ouais, il enchaîne très vite hein, par contre Cyril à chaque fois entre les points. Ouais, donc vous avez vu à la hauteur à laquelle ce match revient. Donc 30 à, encore une fois, un money time, hein, ça se sert vraiment là. On essaie d'être un petit peu plus en dedans pour la paire Jove Lorenzo. Ils sont un petit peu plus en place tactiquement. Ils font moins d'erreurs. Allez, attention. Alors là, c'était compliqué là. Là, la zone choisie par Johan n'est pas forcément la plus évidente. Et c'est au tour de Jove Lorenzo de s'octroyer, deux balles de break. La volée flottante qui, au final, permet de maintenir au fond. Ouais, ça fait break. Ça fait break, 5-3. 5-3 pour Jove et Lorenzo qui vont servir pour cette fin de set. Et ça serait un super tie-break, je le rappelle, en cas de troisième set. Donc tous les points vont et commencent à être chers déjà. Mais c'est pas fini, hein. Un très bon retour là. Mais c'est vrai qu'ils sont un petit peu moins... Mais ça c'est bien scratché. Ils sont un petit peu moins décisifs sur leur smash, sur leur volée. Depuis quelques temps, Hanouna Bergeron. Ouais, c'est bien contré. Oh, elle est magnifique celle-là. Très très bien joué. C'est le risque hein, pour Johan Bergeron, il le sait. Il va avoir tendance à s'excentrer vers le centre pour essayer de jouer un maximum de balles. Et attention, 30-15. Oui, désolé Titouan, c'est vrai qu'à chaque fois, j'ai tendance à dire Johan, et c'est Johan. Et pareil, Johan qui commence du coup à faire aussi un peu plus de fautes. 40-15, 3 balles de set, 3 balles de super tie-break. C'est bien lobé, la barada au centre est magnifique, c'est bien, ils font quand même travailler, mais là ça va taper, c'est contré, c'est encore contré, mais ça sort, et ça fait 7, jeu 7, 6-2 pour Cyril Hanouna, Johan Bergeron, 6-3, Louis Jove, Manuel Lorenzo, et on va donc assister à un super tie-break. Et n'hésitez pas justement, c'est le moment de nous soutenir, de mettre un petit like sur cette commentaire. Ça ne vous prend pas longtemps en attendant de suivre ce super tie-break. Ça nous soutient énormément. Et ça va me laisser le temps justement de vous mettre les petites statistiques de ce set. Et 5 balles de break chacun, mais c'est ça n'a pas été contrétrisé. Voilà, il y a eu quand même 4 jeux au point décisif. Alors... Voilà, alors... Ça siffle un petit peu dans les tribunes. Et on est 200. Hein. Voilà, on a passé la barre symbolique des 200. On va suivre ce super tie break. Voilà, ça siffle un peu. C'est qu'effectivement, il y a des gens qui
sont venus demander à Cyril Hanouna de faire des photos. Et Cyril Hanouna, toujours très sympa, qui a accepté malgré le fait qu'il est dans une partie importante et c'est surtout un super tie-break. Donc voilà, c'était pas forcément le moment. Et Yoav, Jonathan, effectivement, j'ai déjà passé un petit message pour Marina Grandio, qui aurait forcément fait ce tournoi et qui aurait été avec nous dans ce tableau. On pense très fort à elle et à tous ses proches aujourd'hui. Allez, retour aux choses sérieuses. C'est ce début de ce super taille. Et c'est bien là ce que fait Cyril. Et là, les points vont être importants. Et c'est magnifique. Là, c'est très très bien. Pour commencer, 1-0. Pas de mini grec. Ouais, c'est bien. Très très bien volé. Un partout. Et là, il va plus falloir faire d'erreur. Bien lobé, c'est tapé fort, dommage, il aurait pu la laisser passer, il a s'est forcé. Ah, il s'est forcé, il s'est précipité. Allez, 2-1, mini break, c'est loin. Super tie break, pour rappel, pour ceux qui sont novices, c'est en 10 points. Ouais, c'est un peu flottant, ça tient quand même. Allez, ça a insisté au centre et c'est bien joué. De partout. Allez, ça va être tapé, mais ça va être contré. Très belle volée de demi-volée de la part de Yoann. Attention, ça glisse. On va prendre son temps sur cette balle. Ouais, c'est bien joué. C'est bien joué. 3-2, pas de mini break. Et ça va être tapé. Ouais, c'est magnifique. C'est très très bien joué parce que Yoann Bergeron s'y attendait à ce match. Il s'attendait à ce match et il l'a quand même fait alors qu'il était derrière la ligne. Et ça fait 3 partout. Il n'y a pas plus chaud moment que dans un match. 3 partout au super tie break. Allez, encore un service justement pour la paire Jové-Lorenzo. Ouais, c'est bien servi. Un service qui s'écrase au T. 4-3. Et pour le moment, ils maintiennent la pression. Ils ont l'avantage du score. Allez, c'est bien lobé. Garde le filet. Yoann Bergeron un peu en position offensive. Et 5-3. Attention, hein, 5-3. Premier mini break réalisé pour Louis Jové, Emmanuel Lorenzo. Et ça sortait peut-être celle-là. Ouais, là ça va faire. Hein. Ouais, non. 6-3. Double mini break. Attention. Là, ça commence à devenir compliqué pour Cyril Hanouna et Yoann Bergeron. Ouais, c'est un peu flottant. Ouais, c'est bien joué, voilà. Là, on retrouve l'agressivité de Yoann sur cette balle. Il vient bien prendre le filet, il vient poursuivre pour faire ce par 4.
Ouais, et là, ça va être contré par contre. Voilà, c'est magnifique. Il vient de sauver. Les deux mini-breaks ont été récupérés dans la foulée. 6-5 au service de Cyril Hanouna. Alors là, vraiment, ce match est vraiment indécis. Ouais, bien joué de la part de Cyril qui prend ses responsabilités et qui tape droit devant. 6 partout. Au super taille, quelle tension dans ce match. Alors là, celui qui arrive à me pronostiquer la fin de ce match. Vraiment, chapeau. C'est du pile ou face. Allez, pour rappel, 6-2, Cyril Hanouna, Johan Bergeron, 6-3, Louis Jauvet, Manuel Lorenzo, et nous sommes à 6 partout au super tie-break. Premier qui arrive en 10. Allez, la barada là de Johan qui choisit de refaire un lob. Oh là là, quel point, il n'y a plus personne à gauche. Ils avaient changé de côté. Oh, elle est bonne. Et là, ça va taper. Et c'est tapé, ça fait 7-6. Magnifique là. Ce qui se passe. Ils étaient menés 6-3, double mini break. Allez, deuxième service. Allez, là, ça va taper. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Il n'était pas parti. 7 partout. C'est très bien tapé. Hein. C'est très bien tapé. Allez, ça va être contré. Par contre, c'est un mauvais choix. Dommage, il n'y était pas. Ouais, c'est dommage. Avec Johan qui avait fait tout le boulot et qui n'a pas réussi à concrétiser ce smash qu'il aurait pu faire. Allez, peut-être une petite hésitation avec la grille, hein. Il était collé à la grille, mais... Allez, 8-7. Allez, 8 partout. Quel suspense là dans ce match au service. Allez, et 9-8. Et la première balle de match sera pour Cyril Hanouna, Johan Bergeron. 9-8. Non, ça sort. Deuxième service. Attention la pression. Oh là 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 là. Alors ça, je peux vous dire que c'est quelque chose qui doit être très très rare. Johan Bergeron qui fait un retour faux sur une balle de match. Aïe aïe aïe, 9 partout. Allez, c'est pas grave, Johan, il y a encore pas de danger, entre guillemets. Et c'est bien parce que là, Louis Jauvier et Manuel Lorenzo qui ne tremblent pas, ils sont outsiders hein, dans ce match quand même. Hein. Allez, 9 partout au service, Jauvier Lorenzo à qui la balle de match. C'est bien retourné ça par contre. Ouais, très belle grille. Ouais, c'est magnifique. Très, très bien joué là de la part de Cyril. Le smash grille droit devant est vraiment très, très belle. Et c'est balle de match au service. Cyril Hanouna, 19. Allez, un service sauté. Volée flottante. Elle est bonne. Allez, c'est lobé court. Allez, il va l'avoir. Ouais, non.
très bien tapé encore une fois, ça ne tremble pas. Ah là, c'est un petit peu Cyril qui a tremblé là sur sa première volée de revers. Effectivement, la première volée de revers qui restait un peu trop flottante. Et c'est bien joué, très très bien joué. Nouvelle balle de match pour Amina Bergeron, 11-10. Allez, elle est faute celle-ci, deuxième service. Et tout à l'heure, il avait fait un retour faux. Là, cette fois-ci, c'est mieux retourné. Très très bien lobé là de la part de Cyril. Oui, très bien joué. Et c'est gagné, c'est magnifique, quel match! Alors là, rien à dire, très très belle victoire. Victoire 6-2, 3-6, 12-10. Allez, merci aussi à aux 300 personnes qui ont suivi cette fin de match avec moi. J'espère que vous avez aussi apprécié le spectacle. Ah, et c'était un très bon fin de match. Alors je vais vous mettre les petites ce match. Vous allez voir quand même que c'était un match très très serré. 61 points gagnés, plus de points gagnés chez la part de Jové Lorenzo, mais pourtant c'est une défaite, comme quoi. Et bien entendu, Paul Beccari, le grand Paul, joueur de poker, qui va pouvoir suivre les commentaires toute la journée. Et demain, je laisserai ma place au grand Vincent aussi, qui va vous faire vivre les émotions. Restez avec nous, n'hésitez pas encore une fois à mettre un petit like pour soutenir la chaîne. On va se retrouver avec un quart de finale avec Loïc Lepense, la tête de série 2 de ce tournoi. Allez, donc on va se remettre doucement sur nos émotions. Toujours pas de tableau, Miguel Pierre, je suis désolé. J'arrive en train de travailler dessus. La seule chose que je vais pouvoir vous montrer pour le moment, encore une fois, c'est les équipes présentes dans ce tournoi. Alors, et je vais pouvoir vous dire ce qu'on va suivre. Thank you.
Thank you.